carnet de lecture. On est reparti pour une petite semaine de blabla livresque. Comme vous avez pu le voir dans les plans précédents, nous sommes partis à Londres avec mon conjoint ce week-end et c'était bien sympathique. C'était très très sympa puisque les illuminations de Noël sont d'ores et déjà installées à Londres et franchement ça donne une atmosphère complètement différente à la ville, même si en règle générale j'adore Londres même quand il n'y a pas les illuminations de Noël, mais alors là... Là, c'était presque féerique, presque magique de voir toutes ces belles illuminations, ces belles décorations et de ressentir toute l'excitation de Noël. C'était plutôt chouette. Nous, en tout cas chez nous, c'est encore un petit peu timide, mais bon, en même temps, c'est normal, hein, on est fin novembre, bon, voilà, on n'est pas encore arrivé dans le mois de décembre, mais c'est vrai que Londres était très en avance. Je ne sais pas si c'est le cas à Paris, mais en tout cas, à Londres, c'était bien sympa. Comme vous avez pu le voir, on a eu l'occasion de faire quelques librairies. Et donc, vous avez été quelques-unes à me demander si j'avais craqué. Eh bien, sans grande surprise, oui, j'ai craqué. Mais je n'ai pas. Enfin, j'ai quand même été raisonnable pour la simple et bonne raison que j'ai déjà quelques livres en VO, en anglais, dans ma palle. Et bon, je reste quand même raisonnable. Puisqu'en règle générale, lire en VO, j'aime bien, mais ça me frustre un petit peu puisque je ne lis pas avec la même vitesse qu'un livre français, bien sûr. Mon niveau n'étant pas le même en anglais qu'en français, forcément, je mets plus de temps à lire un livre en VO et bah, le temps que je lise un livre en VO, je pourrais très bien lire deux voire trois romans en français. Donc, c'est toujours un peu frustrant pour moi. Donc, étant donné que j'ai encore... trois livres, il me semble, dans ma palle en anglais. Je voulais pas trop abuser en rachetant d'autres. Donc, j'ai quand même craqué pour un livre que je viens vous montrer ici. Il s'agit du dernier roman de Rose Twymane qui est Lily, A Tale of Revenge. Roman qui n'est pas encore paru en France, qui paraîtra, si j'en crois ce que j'ai trouvé sur internet, qui paraîtra début janvier chez JC Lattès, je pense. Mais pour le moment, le roman n'est pas encore traduit en français, n'est pas encore paru. Donc vous ne trouverez que cette édition-là en anglais. Comme vous pouvez le remarquer, j'adore les éditions anglaises, elles sont toujours trop belles. Donc c'est plutôt sympa. Je peux, si vous voulez, me lancer dans une traduction de la quatrième de couve, comme ça vous donnera peut-être envie de découvrir le roman lorsqu'il paraîtra en français. Alors, Londres 1850, par une froide nuit d'hiver, pardon, un bébé est abandonné aux portes d'un parc et sera sauvé par un jeune officier de police et déposé à l'hôpital Foundling. Après avoir souffert de nombreuses années dans cet hôpital, Lily est libérée dans le monde victorien londonien. Mais elle cache un sombre secret. Lorsque Lily et l'officier de police se rencontrent à nouveau, Lily est convaincue qu'il détient les clés de son bonheur. Mais pourrait-il être aussi... celui qui découvrira son crime et qui la condamnera à la mort. Voilà. Bon, je pense que je m'en suis pas trop mal sortie là en termes de traduction, à peu près. En tout cas, moi, il me tente beaucoup. Alors, il me fait quand même un petit peu penser à L'orpheline de Foundling. J'ai mangé le nom de l'autrice, je ne sais plus, mais il me fait un peu penser à ce roman-là parce que bien sûr ça se passe à l'hôpital de Foundling et je l'ai lu il n'y a pas longtemps donc c'est assez frais dans ma mémoire. Mais bon, il y a quand même des choses qui sont bien différentes au niveau de l'intrigue donc on va voir ce que ça donne. Et j'ai craqué pour un autre livre, mais là pour le coup je vous le montre juste pour vous le montrer. C'est absolument pas pour moi, en fait c'est un petit cadeau de Noël en avance pour notre fils. On lui a pris Where is my Mrs. Queen? Donc voilà, c'est un petit livre pour les enfants. Vous voyez, c'est un livre avec des petits éléments comme ça que vous pouvez enlever là. On trouvait ça hyper sympa. Voilà, c'est très exotique pour nous puisque c'est quand même très londonien. Donc on trouvait ça plutôt cool. Et on a trop craqué sur le petit corgi là qu'on voyait là. Donc voilà. Donc ce sont les deux seuls achats livresques que j'ai fait à Londres. Et comme vous pouvez le voir, il n'y en a qu'un seul qui est vraiment pour moi.
Suite à cela, lorsque j'ai publié sur Instagram mes petites emplettes londoniennes, j'ai échangé avec l'une d'entre vous qui m'a demandé si j'avais des recommandations de livres à lire en anglais qui soient pas trop compliqués. Alors, bon, comme je vous le disais, je ne lis pas très très souvent en anglais, j'ai pas franchement de recommandations à vous donner. Par contre, ce que je me suis dit, c'est que ça vous intéresserait peut-être. Donc là, j'ai sélectionné les trois livres qui sont dans ma palle que je n'ai pas encore lus du coup. Je ne peux pas vous montrer les livres que j'ai déjà lus en anglais parce qu'en fait, je les ai déjà tous donnés, je crois. Je m'en suis déjà débarrassée, entre guillemets. Donc voilà. Ce que je peux vous conseiller, parce que c'est plus simple, je pense. Quand vous débutez la lecture en VO, essayez de commencer par des livres young adult parce que le style n'est pas très très compliqué à lire et en règle générale c'est assez abordable. D'ailleurs, si vous avez envie de lire un livre qui s'apparente pas mal à la période de Noël et qui peut être cool à lire là en ce moment, il y a un livre young adult que j'avais lu en anglais qui se lit vraiment bien, c'est Dash and Lily. Alors je sais plus le titre exact en anglais, mais c'est le journal là de Dash and Lily. Il y a eu une série Netflix hein, qui a été adaptée de ce roman-là. Et franchement, le livre se lit très bien. Donc si vous avez envie de vous lancer là-dedans, je vous remettrai si je le trouve la quatrième de couverture enfin la couverture et la quatrième de couverture en anglais, mais vraiment si vous avez envie de vous lancer, c'est un petit conseil pour cette période que je peux vous donner. Sinon, je peux vous montrer ce que j'ai moi dans ma palle que je n'ai pas encore lu. On a d'abord The Lovely Bones de Alice Sebold, pardon. Ce roman-là, il est déjà paru en français et il est même paru en livre de poche sous le titre La nostalgie de l'ange. Voilà. Je peux vous faire un petit résumé rapide de la quatrième de couve si ça vous intéresse. Mais je sais que la quatrième de couve n'a rien à voir avec la quatrième de couve en français. Donc si vous voulez lire en français, allez voir directement la quatrième de couverture en français. Sinon, bon, je peux quand même vous donner les tenants et les aboutissants et vous donner un peu le contexte. Observant depuis le paradis, Suzy Salmon voit sa famille dévastée par sa mort, isolée les uns des autres, essayant chacun de surmonter cette terrible perte. À travers les années, ses amis, frères et sœurs grandissent ensemble, tombent amoureux et font toutes les choses qu'elle n'aura jamais la chance de pouvoir faire elle-même. Mais la vie n'en a pas fini avec Suzy. N'en a pas encore fini avec Suzy. Bon, ça vous dit pas grand-chose de plus, mais je veux pas trop vous en dévoiler quand même parce que je veux pas vous spoiler, mais il me semble en fait que la fameuse Suzy qui observe la vie de sa famille depuis le paradis, en fait, a été assassinée. Il me semble qu'il y a une histoire avec son assassin et compagnie, mais je veux pas trop vous en dire plus. Il me semble aussi que c'est un livre qui a été adapté en film ou en série, je ne sais plus. Mais voilà, toujours est-il que je ne l'ai toujours pas lu. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais il est sorti il y a un bout de temps. Il n'est pas très très gros, pourtant il fait 300 pages. Je pourrais me lancer. Mais pourquoi est-ce que je ne l'ai toujours pas fait? Je me demande si le style en anglais est quand même il me semble que c'est quand même assez. Enfin, plus difficile à lire, je pense, que lui. Mais bon, faudrait quand même que j'essaye. Autre roman que j'ai dans ma palle, Last Letter Home de Rachel Orr. Alors, celui-ci n'est pas sorti en français. Il n'a pas été traduit, donc vous ne le trouverez pas dans les étals des librairies. Là, en l'occurrence, bon, je ne vais pas m'amuser à vous traduire la quatrième de couve tout de suite. Enfin, elle est longue, donc voilà. Mais il s'agit de Bryony Wood qui, lors de ses vacances en Italie, découvre l'histoire d'une villa ruinée sur les hauteurs de Naples, une villa qui a été ruinée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, elle va découvrir des lettres, si je me souviens bien, c'est ça, des lettres entre une femme anglaise et un jeune Allemand. Et donc voilà, c'est un peu l'histoire de toute la villa ruinée. Enfin, toute la villa en ruine, parce que villa ruinée, c'est pas vraiment ça le terme, mais c'est plutôt toute la villa en ruine aux abords de Naples.
Donc ça, c'est pareil, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de le lire, mais j'avais commencé, je crois, de mémoire, j'avais dû commencer en été à le lire, mais en fait, il fait 500 pages, c'est un pavé le truc. Donc je me suis dit, oulala, par contre, de mémoire, parce que j'avais dû commencer à lire les premiers chapitres, c'est pas très très compliqué à lire en anglais. Mais du coup, vu que ça reste la lecture en anglais, je me suis dit, si je me lance là-dedans, j'en ai pour 2 mois, quoi. Enfin, vraiment. Et donc, ça me frustrait parce que je pouvais rien lire d'autre à côté. Et voilà. Donc, je ne l'ai pas. J'ai dû abandonner au bout de 2 chapitres, mais il faudrait que je le reprenne. Et le dernier, je pense, qui pourrait d'ailleurs être intéressant à reprendre là, à cette période-là, c'est Grand Central. Grand Central, c'est un recueil de nouvelles. C'est que des petites nouvelles qui se passent après la guerre, pendant la guerre. Non, c'est post-war. Donc, c'est après la guerre. Et du coup, c'est plein de petites nouvelles écrites par un paquet d'auteurs différents. Typiquement, vous avez, alors moi j'avais lu, je crois que j'ai lu 2 nouvelles dedans, parce que vous voyez, j'ai une petite carte là, ici. Donc je me suis arrêtée à cette nouvelle-là. Et celle-là, The Branch of Hazel, elle a été écrite par Sarah McCoy. Sarah McCoy, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'autrice de Un goût de cannelle et d'espoir notamment. Et une histoire de bruissement de papier, je sais plus quoi là. Enfin voilà, bon, bref, vous m'aurez compris. Mais c'est elle qui a écrit Un goût de cannelle et d'espoir. Et du coup, vous avez tout un tas d'autrices. C'est que des autrices, j'ai l'impression. Ouais. Qui ont écrit des petites nouvelles dans ce roman. Et vous avez l'introduction qui est faite par Christine Anna. Christine Anna, c'est l'autrice qui a écrit Le Paradis blanc, que je vous avais présenté en début d'année, que j'avais beaucoup aimé. Je vous en avais parlé dans un des carnets de lecture. Franchement, ça avait été un coup de cœur, ce bouquin. Donc voilà, donc l'introduction faite par Christine Anna. J'aime bien parce que les pages, elles sont, je sais pas si vous verrez, mais elles sont toutes vieillies là. C'est assez sympa. Donc voilà, donc là, je pourrais peut-être reprendre un peu parce que franchement, pour le coup, les nouvelles, elles sont pas très longues. Elles font 20-30 pages. À peine, ouais. 20-30 pages. Du coup, je me dis que je pourrais peut-être reprendre un peu la lecture et picorer une ou deux nouvelles de temps en temps. C'est pas mal. Et de mémoire, je crois que c'était pas trop trop compliqué à lire. Donc voilà, là ce que je vous ai présenté, c'est vraiment des romans qui, à mon sens, sont assez faciles en anglais. Celui qui, je pense, est un petit peu plus compliqué à lire, ça va être celui-ci. Mais pour le coup, celui-ci existe en français. Donc si vous intéresse et que vous n'avez pas envie de vous plonger dans la VO, dirigez-vous vers la version française. Voilà ce que je pouvais vous dire sur notre petite escapade londonienne et sur les livres en VO. J'espère que voilà, ça vous aura intéressé cette petite sélection. Et si vous avez des idées de romans à me proposer en anglais qui sont pas trop trop compliqués à lire quand même, parce que je me débrouille pas trop mal en anglais, mais j'ai pas non plus un niveau de folie, hein, je suis pas bilingue, loin de là. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les faire en commentaire. Sur ce, je vais vous laisser là et je vous reprendrai plus tard. Mercredi, il est 17h et je viens vous parler absolument avant qu'il fasse nuit et qu'on ne voit plus rien. Je suis descendue rapidement faire une pause. Je me suis fait un petit thé dans mon gros mug là à fleurs qui vient de Londres d'ailleurs, mais pas de cette fois-ci, d'une autre fois. Je me suis fait un thé vert de chez Tamia et Julia qui s'appelle L'Envol. C'est un thé vert parfumé à la fraise, à la rhubarbe et au jasmin. Et franchement, il est super bon. Et j'avais passé commande chez Damien et Julia parce que je voulais absolument celui-ci. Celui-ci, c'est une tuerie, franchement, c'est mon préféré. C'est le thé casse-noisette. Et le thé casse-noisette, c'est un mélange de thé noir, de Ceylan et de Chine avec de la pomme, de la cerise, des amandes, du caramel et de la noisette. Autant vous dire que c'est une véritable tuerie. Il sent divinement bon. C'est vraiment dommage que je puisse pas vous faire sentir l'odeur là parce qu'il est trop, 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 trop bon celui-là. Mais ce n'est pas celui que j'ai pris là pour ma pause. J'ai pris le thé vert. Bref, maintenant qu'on a parlé thé, c'était pas pour ça que je venais vous parler à la base, c'était pour vous faire un update lecture, puisque je n'en ai pas fait depuis le début de la semaine. Du coup,
Je viens vous parler de la lecture que j'ai faite ce week-end et que j'ai désormais terminée. Il s'agit de Mercy Street de Jennifer Egg. Je pense que ça se dit comme ça, j'en suis pas sûre. Édité chez Gallmeister. Et je suis extrêmement contente puisque c'est un roman que je lis dans le cadre de mon jury du mois de janvier pour le Grand Prix des Lectrices Elle. Et je suis contente d'avoir un roman de cette maison d'édition que j'affectionne particulièrement à lire pour mon jury du mois de janvier. Je ne suis jamais déçue par les publications, enfin par les parutions de la maison d'édition Gallmeister. Cette maison d'édition, elle a pour particularité de publier des romans de la littérature étrangère, plus précisément de la littérature américaine souvent, pas que, hein, mais quand même en grande partie. Et j'adore parce que les romans que cette maison d'édition publie racontent très souvent la vie réelle des États-Unis et montrent l'envers du décor de ce pays qui est quand même très souvent idéalisé. Et Mercy Street s'inscrit parfaitement dans la ligne éditoriale de Gallmeister, puisque on va suivre l'histoire de Gloria, pas Gloria, Claudia. J'ai plus les idées très claires. Claudia, qui est une femme de 40 ans et qui travaille à la clinique de Mercy Street, clinique de Boston qui pratique des avortements. Tous les jours, elle vient donc en aide à des femmes qui décident de mettre un terme à leur grossesse pour diverses raisons, enfin pour des raisons diverses et variées même, je dirais. Malheureusement, ce n'est pas au goût de tout le monde et elle doit faire face tous les jours à un groupe de catholiques pratiquants pro-vie qui manifestent son mécontentement devant la clinique. Parmi ce groupe de catholiques, il y a un jeune homme introverti et solitaire qui est investi d'une mission et qui va surveiller les allées et venues de ces femmes qui viennent trouver refuge dans cette clinique sur les ordres d'une sorte de gourou pro-vie. Et on se rend rapidement compte que cet homme introverti achète de l'herbe chez le dealer de Claudia qui elle aussi fume de l'herbe de temps à autre pour se détendre un petit peu. Les personnages se croisent et s'entremêlent dans cette histoire qui est quand même basée sur la triste réalité américaine. L'histoire de Mercy Street est captivante. Sans même m'en rendre compte, je me suis laissée complètement entraînée par cette spirale de vie quotidienne bostonienne. Je me suis complètement attachée à Claudia, cette jeune femme qui est vraiment dévouée aux autres, qui aide les femmes qui ont besoin d'aide, quitte à y laisser son sommeil et sa santé, hein, clairement. L'autrice, elle apporte un soin particulier à développer ses personnages et vraiment on le ressent tout au long de notre lecture. C'est particulièrement appréciable puisqu'elle met en scène des personnages qui sont très forts, très charismatiques et c'est vraiment ce qui permet de tenir un peu l'histoire et voilà, et tout en fait tourne autour de ces personnages très forts. À travers ces personnages, l'autrice elle aborde le dur sujet de l'avortement qui a fait et qui malheureusement fait encore débat aujourd'hui aux États-Unis. Ce sujet d'actualité est très bien amené, très bien traité par l'autrice. Elle met en avant la dévotion des femmes hein, qui travaillent, enfin des femmes, pas forcément que des femmes, je dis des femmes, mais des personnes qui travaillent dans les cliniques spécialisées. Mais elle met aussi en avant les esprits qui sont encore très fermés de certains Américains sur le sujet. Elle explique avec beaucoup de justesse que chaque personne a ses raisons d'avoir recours à l'avortement sans jamais apporter un seul jugement. Elle aborde également d'autres thématiques importantes. Elle aborde la thématique de la drogue, de la maladie, des relations familiales, de la maternité. C'est vraiment toutes ces thématiques qu'on retrouve dans ce beau roman. Le seul petit regret que j'ai eu à la lecture de ce roman, c'est la fin. Elle m'a vraiment laissée dubitative. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu moins ouverte. J'ai pas très bien compris le parti pris de l'autrice. Voilà. Après, cette déception, elle n'entache absolument pas ma lecture. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Mercy Street restera un roman qui me marquera longtemps. Et franchement, la façon dont l'autrice aborde ce sujet brûlant d'actualité est vraiment remarquable et audacieuse. J'espère que je vous aurai donné envie de lire Mercy Street parce que franchement, vous devriez passer un très bon moment. Sur ce, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, je voulais vous parler du coup de mes lectures en cours parce que j'en ai repris d'autres. Je suis plongée en ce moment dans un livre audio, mais je vous en parle pas tout de suite parce que j'avance pas beaucoup en fait, j'avance petit bout par petit bout.
C'est marrant parce qu'il y a des périodes où j'écoute beaucoup de livres audio et il y en a d'autres où c'est un peu plus en pointillé et du coup ça prend vachement de temps. Alors que pourtant le livre audio que j'ai pris, c'est pas un livre audio qui est très très long, mais bon voilà, j'ai un peu plus de mal à me mettre dans l'histoire là. Du coup, niveau livre papier, je me suis plongée dans une nouvelle lecture pour le Grand Prix des lectrices L, qui est la biographie de Françoise Héritier, écrite par Laure Adler. Donc le titre, c'est Françoise Héritier, le goût des autres, édité chez Albin Michel. Alors je ne sais pas s'il est sorti ou pas. Je pense qu'il s'il est sorti, il est sorti il y a vraiment pas longtemps. Hein. Ouais, voilà, dépôt légal octobre 2022. Donc voilà, il est assez récent, franchement. Françoise Héritier, c'est une femme. Alors je suis désolée, je pense que je vais en choquer sûrement certains ou certaines, mais je ne connaissais pas cette femme. C'est une femme qui est une brillante anthropologue et en fait elle a beaucoup œuvré pour le droit de la femme, pour la lutte contre le sida aussi, parce que je crois qu'elle a été la première femme, si je vous dis pas de bêtises, à être au conseil je sais plus quoi de la lutte contre le sida, je crois que c'est ça. Voilà, et du coup c'est assez intéressant. Alors franchement j'ai pas lu grand chose pour l'instant, j'en suis rendue à la page 23. J'ai lu le prologue et le premier chapitre. Je suis pas très loin. Mais ça reste pourtant, enfin pour le moment en tout cas, ça reste bien écrit. Et voilà. Donc c'est une biographie, hein, puisqu'on repart vraiment de son enfance. Là, vous voyez, on parle de son enfance. Là, elle a 7 ans. Ça se passe en mai, juin 1940. En fait, elle est née en 1933, cette femme, je crois. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant. Il n'est pas très long, je pense que je vais le lire assez facilement. Et je viendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Et sinon, niveau lecture papier, j'ai commencé également hier soir un manoir en Cornouailles de F. Chase qui était dans ma pile automnale, qui est un échec total, hein, parce que franchement, j'ai dû lire 3 livres de cette pile que j'avais constituée pourtant, mais bon, bref. Du coup, il y en aura peut-être un quatrième avec celui-là. Un manoir en Cornouailles que je lis en lecture commune avec Nat du compte Natty Scarlett. Je vous remettrai les infos, enfin je vous mettrai son nom et elle a lancé une chaîne YouTube il n'y a pas très longtemps, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos également si vous souhaitez aller voir un petit peu ce qu'elle fait. Voilà, donc un manoir en Cornouailles. Pour l'instant j'ai lu 98 pages, j'en suis au chapitre 7. Ça se lit vraiment pas mal du tout. Enfin, ça se lit bien, quoi. On va voir ce que ça va donner. Je viendrai vous en reparler aussi. Je vous donne pas trop le contexte ni l'histoire pour l'instant parce que je me laisse un petit peu de temps pour découvrir l'histoire. Pour l'instant, ça se lit bien, mais c'est vrai que on pose un peu le cadre. Il n'y a pas encore trop d'intrigue et tout. Donc, j'attends vraiment d'avoir l'intrigue, de voir un peu où l'autrice veut aller avant de vous en dire un peu plus sur ce roman. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je pense que c'était à peu près tout. Donc écoutez, moi, je vais vous reprendre un petit peu plus tard et je vous laisse regarder la suite de cette vidéo. Oui, absolument. Donc là, par exemple, avec cette sortie de livre qui est très attendue, évidemment, qui est très lue et on vous attend aussi les critiques parfois au tournant, vous êtes à quel degré de nervosité? Bah, nervosité maximale, le trac surtout. Hein. C'est plus que de la nervosité ou c'est différent parce que le trac, c'est quelque chose par rapport à. Enfin, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. On est samedi après-midi, enfin début d'après-midi. Je vous prends rapidement en vidéo, j'ai une demi-heure devant moi. Après, je vais chez le coiffeur. J'ai un grand temps que je fasse quelque chose de cette tignasse là, mais enfin bref. Du coup, je viens vous faire un petit update lecture et je pense que je vais en profiter pour clôturer le carnet de lecture ici. Parce que je vais faire mon montage demain et je vais publier la vidéo lundi soir, comme d'habitude. Donc voilà, donc je vais clôturer ce carnet de lecture après l'update lecture. Donc, en termes d'update, il faut absolument que je vous parle du livre que j'ai terminé. Un manoir en Cornouailles de F. Chase que je lisais en lecture commune avec Nathalie du conte Natty Scarlett. Je suis très 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 contente de cette lecture commune. C'était hyper cool en plus parce qu'avec Nathalie, on était vraiment sur le même rythme de lecture.
On se suivait vraiment. Quand il y en a une qui finissait un chapitre, elle disait à l'autre: bon bah voilà, je suis en chapitre 19, t'en es où? Et l'autre était à peu près au même chapitre. Alors c'était plutôt cool, franchement, on avait un très bon rythme. Et du coup, Nathalie, si tu passes par là, eh bien écoute, c'est avec grand plaisir que je referai une lecture commune avec toi. C'était très très cool. J'aime bien faire des lectures communes. J'avais adoré celle que j'avais faite avec Stéphanie aussi. Enfin, je trouve ça toujours hyper sympa de partager des lectures avec vous. Donc s'il y a certains livres que vous avez envie de découvrir avec moi, n'hésitez pas. C'est avec très grand plaisir. Revenons à nos moutons. Un manoir en Cornouailles, c'est un livre qui traîne dans ma palle depuis une éternité. Et en toute honnêteté, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait traîner aussi longtemps. Enfin, si, je sais pourquoi je l'ai fait traîner aussi longtemps. En fait, j'ai lu beaucoup d'avis mitigés, voire d'avis négatifs. Ce qui est assez drôle, c'est que j'en parlais avec Nathalie tout à l'heure et elle me disait que elle, au contraire, elle avait lu beaucoup d'avis positifs sur ce roman. Donc, on n'a pas dû voir les mêmes, hein, mais voilà, moi, j'ai été confrontée plutôt à des avis mitigés, vraiment. Et du coup, ça m'a vraiment freiné dans mon envie de le lire et je pense que c'est pour ça que je l'ai fait traîner aussi longtemps. Donc là, c'était l'occasion, vu que Nathalie m'a proposé de le lire en lecture commune, c'était parfait. Et honnêtement, je suis un peu triste de l'avoir fait traîner autant parce que autant ne pas faire traîner le suspense trop longtemps, j'ai adoré ce roman. C'est un petit coup de cœur. Dans un manoir en Cornouailles, on fait la connaissance de Lorna, qui est une jeune femme de 30 ans, à peu près de la trentaine, une institutrice qui cherche un endroit pour se marier avec son fiancé John. Lorna a très très envie de se marier en Cornouailles et encore plus envie de se marier dans le manoir de Pencro, plus connu sous le nom de manoir au lapin noir, que vous voyez ici, parce qu'elle a des souvenirs d'elle étant petite dans ce manoir en visite avec sa maman. Donc voilà, elle va tout faire pour se marier ici. Elle est totalement obsédée par ce lieu. En parallèle de ça, on suit l'histoire de la famille Alton en 1968. Et la famille Alton est propriétaire du manoir au Lapin Noir. Nancy et Hugo viennent passer leurs vacances, toutes leurs vacances, dans ce manoir avec leurs quatre enfants, leurs jumeaux ados Amber et Toby qui ont une quinzaine d'années et leur petit dernier Barney et Kitty. Sauf que en 1968, un drame survient et tout va être chamboulé et ça va entraîner des conséquences incroyables que l'on va suivre dans ce roman. C'est un très bon cru. On a du manoir anglais, on a des secrets de famille, on a une double temporalité, on a des personnages attachants. Tout était réuni pour que je passe un très bon moment et ça a été le cas. J'ai vraiment adoré ma lecture. Les personnages, comme je vous le disais, sont très attachants. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié la famille Alton, notamment la maman Nancy et ses quatre enfants. L'amour maternel transparaît à travers les pages de ce roman. J'ai été émue aux larmes. Ouais, j'ai vraiment adoré suivre cette histoire. J'ai été transportée par le récit, j'ai été transportée par la plume de F. Chase. C'est très bien fait, certains personnages sont très attachants, d'autres sont très détestables. C'est un petit peu manichéen parfois. Certains personnages, pardon, sont presque un petit peu caricaturaux. Personnellement, ça ne m'a pas trop dérangée. J'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement bien décrits et j'ai été tellement prise dans l'histoire que ça ne m'a absolument pas gênée. Je sais que Nathalie a été un petit peu plus dérangée par ce côté-là, ce que j'entends entièrement et ce que je comprends. Je comprends hein, franchement tous les avis mitigés que j'ai pu lire sur ce roman, mais voilà, moi ça a été une très belle lecture. J'ai été vraiment triste de quitter cette histoire. Quand j'ai refermé le livre, je me suis dit, mais déjà? Enfin, je l'ai lu en 2 journées, je crois, dont une grosse partie sur une seule journée, parce que j'étais en déplacement, j'avais 3 heures de train, donc bon, ça m'a bien aidé quand même. Mais voilà, c'est une très belle histoire. Côté personnage, j'ai été un petit peu moins emballée par le personnage de Lorna, elle m'a un petit peu moins émue, j'étais un peu moins intéressée par ce qui se passait dans sa vie, mais malgré tout. L'intrigue, elle tient quand même très bien la route en fait, c'est très bien ficelé et du coup ça ne m'a absolument pas dérangée dans ma lecture. Les secrets sont
assez inattendu. Alors, certains secrets sont assez faciles à trouver. Enfin, il y en a qu'on voit arriver très très vite. On se dit, oula, ça c'est sûr, c'est ça qui va se passer. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Mais alors, il y en a d'autres pour lesquels je ne m'y attendais absolument pas. Ce qui fait que finalement, l'intrigue, elle est inattendue. Le manoir en Cornouailles, enfin, un manoir en Cornouailles, est une histoire familiale à double temporalité, intrigante, avec des personnages très attachants. Et moi, j'ai eu un petit coup de cœur pour cette ambiance anglaise typique et pour la famille Elton. Sinon, je n'ai par contre pas du tout avancé dans la biographie de Françoise Héritier. J'en suis toujours au même point, c'est-à-dire page 27. Enfin, il va falloir vraiment falloir que je me bouge. Mais là, vu que je vais chez le coiffeur et que je sais que je vais avoir un temps de pause là de couleurs et compagnie, je pense que je vais l'emmener comme ça. Bon, je pense pas que je vais lire 40 pages non plus, mais si je peux lire un ou deux chapitres, ce serait pas mal. Faut absolument que je le lise. J'avoue que les deux livres de non-fiction de la sélection de mon mois du jury pour le Grand Prix des lectrices Elle m'intéressent un petit peu moins que ceux qu'on a pu lire dans le cadre des autres mois. Donc bon, voilà. Pourtant, honnêtement, je pense que la biographie de cette femme est très intéressante, hein, mais je suis pas encore complètement plongée dedans, donc j'ai pas hyper envie d'y retourner, quoi. Mais bon, on va voir, je vous en reparlerai très probablement la semaine prochaine. Sinon, ce que je pouvais vous dire en termes d'update lecture également, je suis plongée dans une lecture audio en ce moment. Lecture audio qui n'est pas très très longue, puisqu'elle fait 7 heures, 6h30 ou 7 heures d'écoute, je crois. C'est un livre qui est offert avec l'abonnement Audible. Donc si vous êtes abonné Audible et que ça vous intéresse de l'écouter, je vous en parle un petit peu. Il s'agit d'un livre qui s'appelle Le couple d'à côté, écrit par Shari Lapena. C'est un thriller domestique. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de thriller domestique et moi c'est un genre que j'aime bien. Lisa Gardner est très très douée pour les thrillers domestiques, j'aime bien ce qu'elle fait en règle générale. Je suis en train de réfléchir à quels autres thrillers domestiques j'ai pu lire. J'en ai lu pas mal, hein, il y a un certain temps. Enfin, il y a une certaine époque, entre guillemets, parce que quand je parle comme ça, j'ai l'impression d'avoir 80 ans, c'est pas le cas, mais. Il y a une certaine époque où j'en lisais pas mal. C'est vrai que là, depuis quelque temps, j'en lis moins. Le dernier livre qui pourrait s'apparenter à un thriller domestique que j'ai écouté, parce que c'est une lecture audio aussi, et vous pouvez d'ailleurs retrouver mon avis dans un des carnets de lecture, je vous le mettrai en bas. C'est Un couple irréprochable de Alafer Burke. Mais en fait, je pense qu'il peut être classé comme thriller domestique, mais moi perso, je l'aurais plus qualifié de thriller procédural, de roman policier procédural plutôt. Là, on est vraiment plus sur un thriller domestique avec le couple d'à côté. L'histoire, elle est pas très originale pour le coup, je la trouve assez simple, mais ça fonctionne pas mal. On découvre un couple, Marco et Anne, qui viennent tout juste d'être parents. Ils ont un petit bébé, une petite fille qui s'appelle Cora, qui a 6 mois. Et donc un soir, Marco et Anne sont invités à venir fêter l'anniversaire de Graham, leur voisin. Sauf que Graham et Cynthia ont décrété que c'était une soirée sans enfants, donc les enfants ne sont pas conviés. Marco et Anne font appel à une babysitter qui les lâche au dernier moment, et donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Et donc finalement, Marco et Cynthia, pas Cynthia, pardon, Marco et Anne, Cynthia c'est la voisine, Marco et Anne décident de laisser Cora toute seule chez eux et de venir faire des tours de garde si vous voulez. Donc toutes les demi-heures, il y en a un des deux qui vient voir si Cora va bien et si tout est ok. Et donc ils font ça. Sauf que bien sûr, il va se passer quelque chose. Quand ils vont rentrer à 1h30 du matin, Cora aura disparu de son berceau. Et donc voilà, c'est toute l'intrigue autour de la disparition de Cora. Pour le moment, j'aime bien, je trouve que ça s'écoute relativement bien. Après, je vais pas vous cacher que je trouve que c'est un petit peu longuet. Là, on a pas mal de scènes d'interrogatoire par la police. Donc Marco et Anne sont beaucoup interrogés, les voisins sont interrogés, les parents sont interrogés, enfin les grands-parents du coup de Cora sont interrogés. Et du coup, c'est un peu long, ça tourne un peu en boucle. Et bon, là, j'aimerais bien qu'on passe un peu la deuxième là et que ça s'accélère un petit peu dans l'intrigue. Mais globalement,
Ça reste une histoire assez sympathique, enfin assez sympathique, façon de parler, assez intrigante et qui est plutôt agréable à écouter. Dites-moi si c'est un roman que vous connaissez, dites-moi si vous avez lu d'autres romans de Shari Lapena. Je sais que cet auteur-là a aussi écrit Un assassin parmi nous, qui me tentait bien. D'ailleurs, je crois qu'il est sur Audible aussi. Donc voilà, à voir si je continue ma découverte de cet univers ou non. Bref, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais donc clôturer ce carnet de lecture ici. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, des très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!